Donc ici, on va lancer le cryptage. Non, 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 on va lancer le chargement de... Le chargement de... Le chargement de... Les codes source. Parce que Texas Instruments... Donc il faut implémenter, non, non, il faut implémenter, donc soi-disant, on fait la connexion, la connexion vers la carte, connecte. Là, la carte target is now connected, c'est connecté. Donc, on va charger le programme final, c'est la iOS final. Voilà. Donc c'est bon. Ça, donc il est, le programme il est transféré vers le chip directement, il rentre dans le module de cryptage. C'est implémenté. Donc on va exécuter le cryptage. Le cryptage. Voilà. Donc le cryptage est crypté. Donc voilà. N2. Si, alors si la phone est claire. Non, non, clair. 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 On va actionner le cryptage. C'est parce que nous avons un switch dedans. D'accord. De 24, 12 ou la 6. Voilà. Bon. 1-2. Action, le signal est crypté. 1-2. C'est ma voix, non? Non, non, mais ça se met. Le changement de la fournée. On a un certain bruit rose. 1-2. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. 1-2. Radar, Google. Radar. Call Radar. 1-2. Non, Radar. Radar. Bonjour. 1-2. Et on entend un changement de. On entend rien. Et la BF maintenant, elle est, ça ne décrypte plus. Maintenant, ça passe. Non, c'est oncle. N2. C'est oncle. N2. Je reviens le signal. En principe, c'est. Donc, on file la transmission du signal vers le décrypteur. C'est le signal crypté. N2. Et maintenant, il n'y a que celui-là qui peut écouter la discussion quand vous switchez le. Exactement. Voilà, comme là on fait quoi. Mais il nous manque d'installer le poste radio pour transférer le. Et on ne peut pas sinon on ferait un brouillard, enfin, gêné.